Bonsoir mes chers amis, que vous soyez gilets jaunes ou pas, bienvenue dans mon live comme tous les soirs. Alors ce soir je vais commencer direct sans plus attendre par une petite vidéo. Bah, vous savez, le journaliste Marco, le journaliste de rue, le journaliste gilets jaunes qui nous fait plaisir à chaque fois à aborder les manipulateurs sur le vif et les questionner. Eh bien, cette fois-ci, euh, c'était pour Zemmour. Hein. Vous allez voir que Zemmour n'a plus euh, cette aisance euh, qu'il montre dans les médias et qu'il devient très, très agressif. Hein. Alors qu'il se plaint tout le temps de l'agressivité des autres et qu'il trouve que euh, tous les... Enfin, je vais dire, il faut, euh, il faut pouvoir discuter de tout. Ah bah là, non, pas pour lui. Malgré que c'est un personnage public. Hein. Allez, on va regarder mes chers amis. Monsieur Zemmour, arrêtez de faire l'enfant enfin. Monsieur Zemmour. Alors, mais... Écoutez, maintenant je vous dénonce ce truc. Mais pourquoi Vous arrêtez de me harceler, ok mais... mais... C'est vois... du harcèlement là, vous m'emmerdez. Monsieur Zemmour, deux, trois questions. Mais et puis regardez là, vous m'emmerdez. Ok que... mais oui Mais pourquoi vous mettez Pourquoi vous mettez dans tous vos états vous... Je ne me mets pas dans tous mes états, vous m'emmerdez. Mais... vous l'avez noté là, vous l'avez enregistré Oui. Vous m'emmerdez Ok bon. Alors vous arrêtez de me harceler comme ça je vous harcèle pas. Vous Il y a... me harcelez. Il n'y a aucune notion vous de. Vous me harcelez. J'ai le droit de marcher dans la rue tout seul. D'accord, mais vous avez le droit. Alors aussi. vous me lâchez les pieds. Mais vous êtes quand même quelqu'un de, de connu dont on dont on s'abreuve, dont on se nourrit du lait, comme vous dites. Monsieur Zemmour, arrêtez de faire l'enfant qui s'en va d'un pas décidé qui fait son gnangnang. Monsieur Zemmour, revenez. Il est excellent Marco, il est excellent. Marco, si jamais un jour tu me regardes, n'hésite pas. J'aimerais beaucoup te rencontrer. Tu es excellent. Euh, alors, sinon, euh, on, va, on va la faire courte ce soir, les amis. Hein. Euh, je vais vous lire deux, trois articles et on va s'arrêter là. Euh, alors, il y a cet article, à chaque fois je vous parle donc de, de ces profiteurs. Euh, qui pour euh, enfin, on critique, on critique toujours euh, que ce soit les cheminots ou d'autres professions, franchement, qui triment, hein, qui triment, qui triment pour, pour un salaire de misère et pour une retraite de misère. Euh, moi, je connais très bien le régime spécial, hein, pour cause, j'en ai été exclu, hein. mais bon, je suis toujours au prix prud'homme. Euh, mais on parle jamais hein, des privilèges de, des politiques. Et je vous ai toujours parlé euh, donc de ces euh, politiques qui se font nommer euh, préfets. Euh, pour être nommé préfet, mes chers amis, il euh, n'y a besoin d'aucun diplôme, sachez-le. C'est juste euh, le, le, le président et le premier ministre qui décident. Ils nomment les copains à chaque fois. Et donc je vous ai toujours parlé de ceux qui étaient nommés et qui ont travaillé euh, genre une semaine et euh, qui après euh, ont touché une retraite euh, rien que pour une semaine de travail euh, supplémentaire par rapport déjà à leur retraite hein, de, de, de président de SI, euh, délégué de ça, euh, donc qui représente euh, euh, l'exemple que j'avais pris, c'était 2340 euros net supplémentaires. Vous, vous imaginez la somme que ça fait et bien là, regardez, je vous ai trouvé un article et je vais vous le lire. On va le lire ensemble. Vous allez tomber de votre chaise si vous êtes assis. Sinon, je vous conseille de vous asseoir. Allez, on va regarder ça, les amis. Euh, donc, euh, ils n'ont jamais été préfets, mais ils en touchent la retraite. Ça s'est passé inaperçu, ça en 2016, hein, pourtant. Vous voyez, des dizaines de hauts fonctionnaires ont le titre de préfet alors qu'ils ne le sont pas. Un copinage politique qui leur permet notamment de toucher une retraite de préfet, parmi eux Michel Vauzel et Michel Delebarre. Donc là, on va passer à l'introduction. Voilà, quel intérêt. On va lire ça. Quel intérêt de nommer un préfet fantôme C'est un joli cadeau, financier, facile à comprendre. Le 28 avril 2011, Michel Delebar a fait valoir ses droits à la retraite de préfet. À l'âge de 65 ans, tout comme l'avait fait le 15 août 2010 Michel Vauzel, cela permet à ces deux classiques du, B, du PS ce parti de pourri, la, ces gauchistes qui font, euh, qui, qui font la morale à tout le monde et euh, qui, nous, qui mettent à, en avant, comme toujours, les valeurs, les grands, les grands, les grands mots, mais qui euh, agissent, euh, agissent euh, à l'extrême contraire. Donc cela permet à ces deux classiques du PS de toucher aujourd'hui une pension mensuelle de 4000 000 euros bruts qui vient s'ajouter à leur indemnité de parlementaires et d'élus locaux, soit 15 124 euros bruts et 9 760 euros bruts pour l'un et pour l'autre. sans compter pour chacun une indemnité forfaitaire représentative de frais de mandat de député de 6000 000 euros nets. Et cela en toute discrétion. Alors là, bien entendu, euh, l'article euh, parle de ces années-là. Donc, euh, retraite dorée, voilà. D'ici quelques années, je pense que là on y est, d'ici quelques années, lorsqu'ils décideront d'abandonner leur mandat, ces deux parlementaires pourront cu cumuler. Je suis en train de lire ici. Pour en cumuler la totalité de leur retraite de préfets, de parlementaires et d'élus local. Voilà, tenez-vous, tenez-vous bien. Soit en tout de l'ordre à 12 000 euros mensuels bruts pour le premier et 10 000 euros pour le second. Est-ce que vous vous rendez compte que là, on parle de retraite hein, C'est même pas. À la limite, ça aurait été un salaire d'un haut fonctionnaire. Bon, on a, on le sait, on a pris l'habitude. À hein, Celino, il doit il doit être aux alentours de ces salaires là en tant que haut fonctionnaire. Mais là euh, on parle de retraite parce que vous savez que si par exemple vous touchez aujourd'hui 2000 euros quand vous partirez à la retraite, vous, vous avez peu de chances d'arriver à 1005 Regardez ces personnes qui n'ont jamais été préfets, hein, comme s'il si leur manquait, hein, comme s'il si leur manquait ils vont être retraitables, s'ils ne le sont pas déjà. 12 000 euros pour l'un, 10 000 euros pour l'autre. Ça, si c'est pas une belle retraite pour service rendu, hein, pour manipulation, mensonge, enfin j'en passe, hein, pour, euh, pour être, avoir été un très bon euh, franc-maçon, moi je sais pas comment on appelle ça. Hein. Donc là, vous comprenez qu'ils se battent tous hein, pour... Euh, bah, pour... Euh, J'ai pas envie de dire... J'ai pas envie d'être vulgaire, je dirais, pour, pour massacrer la France, hein, pour pas dire un, un autre mot. Ils s'en foutent, hein, ils s'en foutent. À la fin, ce qu'ils veulent, c'est cette retraite dorée. Bon, après, bon, bah, l'article, il rappelle, rappelant que selon l'INSEE, le montant moyen brut des pensions, c'est ce que je vous disais, hein, en France, s'élevait élevé en 2009 à 1000, même beaucoup moins, Tu vous voyez, que 1500, la moyenne. La moyenne elle fait 1196 euros par mois. Donc euh, des montants et des cumuls choquants pour bon nombre des Français. Excusez-moi. Euh, bah, continuons. Et donc là, regardez 6000 euros mensuels sans rien faire. Au bout de quelques mois. Ces préfets bidons sont nommés préfets hors cadre, une voie de garage royale utilisée également pour écarter les préfets qui déplaisent, dont on ne revient jamais, mais qui permet aux intéressés de toucher aujourd'hui 6 000 euros bruts mensuels en attendant la retraite ou d'être élus sénateurs voire députés. Tout ça, 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 ça se cumule, hein. on parle de 6 000 euros sans rien faire. Après, effectivement, s'ils font autre chose à côté, ça se, ça se rajoute. Donc, euh, placé alors en détachement pour exercer son mandat, le préfet euh, parlementaire. Euh, enfin, euh, j'aime bien le terme. Hein, C'est, il est préfet en plus il est parlementaire. Deux fonctions officiellement incompatible selon la loi, ne reçoit plus de l'État qu'un tout petit salaire correspondant exactement au paiement de ses cotisations de retraite de préfet, ce qui a été le cas de Michel Delebar et de Michel Vosel pendant plus de 25 ans. De plus, en cas d'échec électoral, chacun d'entre eux pouvait coiffer sa casquette de préfet hors cadre et percevoir son salaire plein pot sans être affecté en poste dans un département. De 1982 à 1995, François Mitterrand a ainsi nommé près d'une soixantaine de préfets en mission de service public. Garantie tout risque pour les courtisans. Cette institution des préfets fantômes n'est en réalité qu'un des systèmes légaux de financement des deux grands partis politiques français, PS et EMP. Depuis... Sa renaissance mitterrandienne, le système a prospéré sous Jacques Chirac, y compris lorsque Lionel Gespin était Premier ministre. Ce cadeau présidentiel offre une sorte de garantie tout risque pour les courtisans. Euh, je vous assure, ça ne s'est jamais arrêté, même là, c'est pire sous Macron et Hollande. Donc, euh, ce cadeau présidentiel offre une sorte de garantie tout risque pour les courtisans, les poids lourds et les incontournables de ces deux formations. On recasse toujours ses amis. Voilà pourquoi chaque mercredi, jour du Conseil du ministre, un ami ou un obligé du Président de la République, depuis François Mitterrand, peut être nommé préfet fantôme, chargé d'une mission bidon de service public relevant du gouvernement. Voilà, et là on parle des suivants. Sarkozy, Nicolas Sarkozy, n'a pas... Pas mis fin au système. Son ancien ministre et fidèle conseiller Brice Hortefeux, 53 ans, en bénéficie. Selon un décret pris lors du Conseil des ministres du 27 avril 1995, il a été nommé préfet chargé d'une mission de service public relevant de l'action du gouvernement. À l'époque, à la fin des années 90, ce fidèle de Nicolas Sarkozy tirait ses ressources de son revenu de préfet, soit 40 000 francs euh, bruts par mois, et de ses indemnités de conseiller régional d'Auvergne, soit 10 000 francs bruts mensuels. Il y a aussi le cas de figure, comme on a dit, les voies de garage, nommé préfet pour l'empêcher d'être réélu sénateur. Donc là, il y a plusieurs exemples hein, de personnes qu'on n'a pas qu'il n'y a pas de il n'y a pas des de places extensibles de sénateurs donc il y en a qui sont sénateurs et puis les autres on, on, les, met, euh, on les met préfets donc a, vous, vous avez beaucoup de personnes euh, qui sont citées bon je vais pas m'attarder là-dessus Donc là, ils expliquent que lorsqu'ils ont plusieurs personnes sur un même euh, département, et bien, euh, vu que tous les deux étaient partants pour se euh, représenter. Donc là, étant donné, euh, là, il parle donc de Catherine de Roche, étant donné qu'elle domine le Conseil général et la majorité euh, des communes, après, c'est une stratégie, c'est aussi stratégique d'avoir quelqu'un comme Catherine de Roche au Sénat. En septembre 2011, elle n'aura même pas un an de mandat, et malgré son expérience et sa présidence de l'Association des maires, elle n'a pas le poids nécessaire pour tenter de se faire réélire. En montant une liste dissidente. D'autres empêcheurs de tourner en rang pourraient être nommés préfets. Alain Vassel ou Philippe Marigny dans l'Oise, Laurent euh, Betteille pour l'Essonne, Alain Gournac ou Dominique euh, Braille dans les Yvelines, et enfin Christian Dominique en Seine-Saint-Denis. Voilà, mais bon, là c'est des détails en plus qui correspondent à l'époque. Entre temps, il y a eu d'autres élections donc, sénatoriales. Mais voilà, je pense que vous avez compris que euh, dans ce pays, dans notre pays, euh, vous nous, euh, nous trimons. Et euh, d'autres se font... Parce que déjà, ils avaient déjà de beaux, de beaux salaires et de beaux privilèges. Euh, C'est la franc-maçonnerie. Hein, la franc-maçonnerie qui donne des privilèges à une, à une caste, à une élite. En contrepartie, euh, ils exécutent. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas, ils n'ont aucun frein, ils n'ont aucun scrupule. Ils, ils peuvent pas dire non à qui, à quoi que ce soit. Et, et après, bon ben voilà, c'est du donnant donnant. Hein. C'est tous les privilèges. Hein. C'est royal. Franchement, vous imaginez Vous imaginez déjà vivre tout, toute votre vie avec quelque chose qui est, qui, qui ressemble à aller entre 7000 euros et 10 000 euros net, et puis ensuite après retraite, euh, vous restez à la même chose à peu près 8000 8 000 euros net en retraite, c'est-à-dire que vous avez passé votre vie avec un salaire qui avoisine les 10 000 euros net, vous avez eu le temps de vous payer au moins trois maisons, et qu'ensuite on vous dit, bon, bah maintenant que les maisons sont payées, voilà faites ce que vous voulez euh, avec vos 8000 euros net c'est royal vous comprenez maintenant euh, leur comportement euh, lorsque euh, il s'agit de de, de de mentir lorsqu'il s'agit de nous manipuler lorsqu'ils se font élire le but c'est de se faire élire pour nous promettre euh, qu'ils vont agir dans l'intérêt du peuple dans notre intérêt et puis après quand vous les voyez euh, tout abandonné de leurs promesses et de et et, et nous trahir hein. nous trahir vous comprenez le prix de la trahison hein. tout a un prix visiblement et puis vous le savez hein, tout a un prix dans ce monde et bien eux c'est bien payé hein, leur trahison elle est bien payée alors on va alors je vais vous montrer un autre article Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu Ah oui, c'était euh, Jean-Marie Le Pen. Alors j'ai pas suivi si les merdias en ont parlé. J'ai pas suivi. Mais regardez, euh, Le Pen, il dit euh, bon, voilà, Il dit la vérité. Il dit la vérité. Il dit euh, que le cimetière juif profané, euh, lui, il y voit une opération de com'. Voilà, euh, nous le disons tous, hein, donc il n'y a rien de nouveau. Bon, sauf que lui, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que. Euh, donc, il y a un article dessus et c'est pour ça que je vous en parle. Donc, euh, l'ancien président du Front National a remis en cause la version officielle des autorités. Bon, enfin, quelqu'un de connu qui parle, parce que sinon en euh, resterait entre nous, hein, malheureusement. Hein. D'ailleurs, j'ai vu euh, l'intervention tant acclamée de, de Jérôme Rodrigue face à Cohn-Bendit. Enfin, franchement, euh, Jérôme, euh, regarde, tout le monde le sait sauf toi. Hein, que tout est orchestré, que ce soit pour euh, les actes antisémites ou euh, là où, franchement, j'ai été déçu, c'est sur euh, l'attaque de la voiture de police. Il suffisait que tu regardes mon live euh, ou d'autres lives. Hein, C'était clair et net. Hein, C'est de l'orchestration. Il y a plein de preuves. Donc, euh, dans la nuit de euh, mardi, de lundi à mardi, une centaine de tombes ont été dégradées au cimetière juif de Katzenheim, dans le Bas-Rhin. Je vous avais montré la vidéo. Et donc euh, Jean-Marie Le Pen dit Comme par hasard, la veille de la manifestation contre l'antisémitisme, c'est une bonne opération de com. D'autant qu'il y avait le surlendemain, le dîner du CRIF, en présence de tout le gratin de la société française, sauf moi. Bon, c'est. On ne peut pas lui enlever euh, le fait de, de, de dire, enfin, de... Il a tout dit, il a tout dit, il a bien parlé. Avant cela, le cofondateur du Front National, rabibauché avec sa fille Marine, après des années de guerre ouverte, estime que... S'il y avait de l'antisémitisme en France, ce genre d'opération aurait eu lieu dans 300, 500 ou 1000 cimetières, là où, selon lui, le cimetière de Katzenheim a été vandalisé de manière très professionnelle, très propre, par des spécialistes dont on voit d'où ils peuvent venir. Là, on ne peut pas. Euh, Je vais dire. Euh, il, il, a, il a tout à fait raison, vu que moi j'ai dit tout ça. Euh, il y a plusieurs jours en vous montrant la vidéo. On peut pas le contester. Voilà. Ça, c'était Bon, alors moi je vous le répète, hein, que tout ceci est organisé euh, par toujours les mêmes, par les francs-maçons, la franc-maçonnerie, pour utiliser comme d'habitude ces malheureux juifs, comme aussi et, et ils s'utilisent tous les jours les malheureux euh, musulmans, toujours pour jouer avec les uns et les autres, retourner l'opinion contre les uns ou les autres, euh, pour pouvoir tirer profit de, de cette diversion qu'ils créent à travers, euh, à travers euh, faire semblant de protéger une communauté ou alors euh, mettre sous euh, sous le feu des critiques une communauté. Dans tous les cas, euh, tout le monde se détourne du sujet principal, là c'était pour le coup les gilets jaunes, ou euh, tout simplement de voir donc, les, vrais, euh, les vrais tyrans, hein, les vrais barbares qui sont les francs-maçons et la franc-maçonnerie. Et ben ben là je, vous, je pense que vous l'avez assez vu, hein, vous ne pouvez pas me dire le contraire, Que à côté de ça, donc on a eu droit on, on s'est rappelé que euh, les musulmans étaient un, un problème euh, français et un problème mondial, parce qu'on n'a pas arrêté de nous dire qu'il euh, y a des djihadistes qui vont être rapatriés. Et de nous montrer un petit peu la Syrie, sans dire que la France a été défaite. Hein. La France a, a, a été défaite, mais, mais d'une manière euh, cuisante hein, en, en Syrie. Ça, il se garde bien de le dire. Il se garde bien de dire que ceux qui ont battu Daesh, c'est-à-dire l'organisation terroriste créée justement euh, par la CIA euh, et dans laquelle participent la France, euh, l'Angleterre et d'autres pays, euh, ceux qui l'ont qui les ont battus ce sont donc euh, l'armée la, régulière de Bachar al-Assad, mais bon il restait pas grand grand monde dedans mais qui justement euh, avec l'afflux qui, qui, qui a tenu avec l'afflux d'hommes d'hommes des chers à canon venant donc des gardiens de la révolution de la révolution iranienne et euh, des, 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 on va dire des combattants du Hezbollah plus la technologie et l'expertise militaire, donc et le, le matériel euh, russe hein, de Poutine, plus bien entendu une, une aide, une aide, on va dire voilée turque, voilà. Et en face, vous aviez, enfin vous voyez, tous les pays belligérants. Presque toute la planète, hein, que les États-Unis avec la France euh, ont retourné euh, contre les Russes et contre Bachar Al-Assad en, le, en, euh, en les accusant de en les accusant de tout, en les accusant de gazer des populations. Enfin, enfin, vous avez vécu comme moi cette époque-là, hein, euh, incroyable. Hein. Euh, c'est toujours la même chose, hein. c'est l'inversion les, les, des rôles. Hein. Je t'agresse et je t'accuse. Euh, les rôles, je vous le rappelle, euh, ont été distribués depuis très très longtemps. C'est-à-dire que les États-Unis font euh, le commandement militaire, l'Angleterre, le MI6, euh, sur le terrain fabrique les vidéos et les fake news, les, la propagande, euh, donc au travers des, des, des casques blancs, les white helmets. Hein. C'est pour ça que je vous dis attention à ce que vous voyez. Ici en France, avec leur croix, euh, le casque blanc, leur tablier, on dirait des, des, des Templiers, des Chevaliers du Temple. Euh, Peut-être il y a des personnes, euh, <laughs> des, 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 des personnes, on va dire, et naïves dedans, qui, qui font vraiment ça et qui sont issus du milieu médical, qui font vraiment ça sans arrière-pensée. Mais vous ne pouvez pas connaître tout le monde. Donc, fortuitement, ils sont casqués et tout. Vous savez pas qui est en dessous. Et donc là, on sait qu'ils récupèrent l'identité des blessés et que le ministère de l'Intérieur se sert directement là-dedans. Mais ils ne servent pas uniquement à ça. Ils servent aussi, lorsque quelqu'un est agressé, à l'entourer pour... Euh, enfin voilà, pour exclure, exclure les informations, exclure aussi de, de, de filmer. Euh, mais alors, revenons en Syrie. Euh, donc, je vous disais, les services secrets anglais euh, utilisent passe sous couvert de White Helmets et plein d'autres soi-disant associations pour l'aide aux populations pour fabriquer des fake news et enfin la France va deviner quel est le rôle de la France non seulement de faire de, 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 de brouiller les cartes sur le terrain avec ces avions qui passent là où il faut pas passer etc mais en plus de la France de par la voie de François Hollande, j'ai la vidéo que j'ai mise sur mon YouTube. Euh, Hollande reconnaît qu'il a armé les Kurdes. Donc déjà de 1 semé la Zizanie sur place. Et les Kurdes, bon bah ben là vous voyez bien, qui, 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 qui sont laissés à leur, à leur, à leur sort. Hein. Ils n'ont jamais dû suivre la tentation avec les Américains et les Français. Hein. Il leur arrive, il va leur arriver malheureusement, un peu ce qui est arrivé, que ce soit en Algérie. Aux Harki ou à d'autres, hein. une fois qu'on les a utilisés, ils sont, ils sont abandonnés. Hein. Ça c'est un, un, c'est un grand classique. Un peu, bon, bah, ce, ce qui arrive aux, aux imbéciles heureux comme Benalla et d'autres, une fois qu'ils sont utilisés ou Mohamed Mera une fois euh, qu'ils ont, qu'ils ont été utilisés, bon, bah, après ils sont, ils sont sacrifiés. Hein. Et, et donc la France. Euh, fait ça, hein, armé les factions, elle a armé aussi al nusra de la propre bouche de, euh, de notre euh, ancien ministre des affaires étrangères, il a été ministre de tout, il a même été euh, premier ministre, donc euh, Fabius, hein, Laurent Fabius, euh, qui est responsable aussi du, du sang contaminé, euh, qui, a, qui était un scandale, le sang contaminé. Qui a, qui a tué des enfants libyens, hein. et il a avoué aussi que il a armé, la France a armé Al-Nosra, Al-Nosra qui est une branche d'Al-Qaïda sur le terrain, qui a fait beaucoup d'exactions. Que voulez-vous de plus Que voulez-vous de plus les, les, les preuves, mais sont, elles sont criantes, elles sont nombreuses de la participation de la France, là je ne vous parle que de la France, je ne vous parle pas des autres pays, de la participation active de la France au terrorisme international. Que voulez-vous de plus Et les attentats qu'on a eus sur notre propre sol, l'État est dedans. C'est impossible autrement. On a, on a les images, on a les preuves, elles sont flagrantes. Les services de l'État au moins ont fermé les yeux. Mais si ce n'est pas en planifié de, de, de A jusqu'à Z, leurs propres attentats. Que voulez-vous de plus D'accord euh, Donc voilà. Le, le, alors oui, le dernier élément, la France aussi, c'est celle qui va pleurnicher donc à l'ONU pour demander des, des résolutions contre, contre la Russie. Bachar al-Assad, soi-disant qu'ils ont utilisé le gaz ou qu'ils n'ont pas respecté si ou... C'est euh, voilà, le rôle de la France. C'est pour ça qu'on qu l'a drapé. Le partage du monde a été fait euh, en ce sens. On a toujours drapé la France d'être le pays des droits de l'homme, etc. Comme ça, voilà. Quand la France va à l'ONU en disant que okay, ce n'est pas possible, les droits de l'homme ne sont pas respectés, euh, et puis les homosexuels sont déportés, <laughs> déportés soi-disant, en Russie, euh, et ils sont euh, torturés, etc. Le monde, bon ben ça, ça, ça passe, hein, ça passe comme une lettre à la poste. Ça a été, ça a été créé pour. Hein, cette histoire de, de la France des droits de l'homme, ça a été créé pour. Alors, est-ce que j'ai une petite information rapide ou est-ce qu'on s'arrête là Je pense qu'on devrait faire un petit live et s'arrêter là alors donc les amis voilà bon on va s'arrêter là je trouve que c'est pas mal euh, prendre du repos alors je vais euh, vous saluer rapidement alors ça commence ici où est-ce que ça commence? Hop. Alors, je crois que ça commence ici. Eh bien, tiens, allez, bonsoir, Joe. Bonsoir, Yvonne, Guylaine, euh, Caroline, David, Francis, Stivo, Garcia. Donc, je, je, pardon, José. Je dis que les prénoms. Euh, Marie. Euh, Paul, Asia ou Marie aussi, Cédric, euh, Liège, Sandrine, Digne, euh, Monique, euh, Dilou, Nabila, Johanna, Gérald, Elise. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un. Il y a plusieurs maris, donc marie donc Marie-Bernard aussi. Voilà, Caroline, Mic Mic Mac, Mathias, Stivo Sandrine, une autre Marie, euh, Sport, hein. qui je n'ai pas cité. Tiens, Gigi. Hop. Dorian, je t'ai cité. Farid, bonsoir Farid. Johanna, je t'ai cité. Gérald, voilà. Là, je pense tout à l'heure, lorsque j'ai fait un live cet après-midi, euh, j'avais, pas regardé donc sur les autres réseaux, puis il y avait donc euh, du monde. Il y avait quelqu'un sur YouTube. Euh, voilà mes chers amis, euh, je vous le rappelle, si vous avez la possibilité, il faut le faire les amis. Hein, c'est de votre responsabilité, c'est de notre responsabilité à tous. Hein, il faut passer à autre chose que rester spectateur et dire j'espère que ça va réussir. Il faut vraiment agir. Et là franchement ça ne demande pas grand-chose. Normalement il devrait faire beau demain hein, si jamais euh, les, les, les avions ne sont pas en train de balancer déjà des, des chemtrails. Normalement il, va, il devrait faire beau. Donc mettez un gilet jaune. Moi je regarde, j'ai le t-shirt jaune, mais mettez un gilet jaune. Hein. Mettez votre gilet jaune demain. Mettez, si vous, si vous l'avez, moi je ne l'ai pas. Mettez une kippa, Alors voilà, moi j'utilise ça. Mettez une kippa, mettez une grosse croix, si vous voulez, hein, exhiber les signes religieux, au moins si tout le monde porte ostensiblement les signes religieux, je pense qu'ils vont nous foutre la paix à force. Ça va, ça va être dilué, ça va devenir une norme, et ils foutront la paix, que ce soit aux juifs, aux musulmans, aux catholiques et, et aux non-croyants. Voilà. Mettez un gilet jaune, c'est le plus important qu'on voit du jaune. Après, rajoutez des signes religieux comme vous pouvez, de préférence pour leur clouer le bec. Mettez des kippas, de préférence un, un maximum de kippas pour montrer que on est loin d'être antisémite, on est par contre euh, antisioniste. Je vous le rappelle qu'il y a plein de juifs qui sont antisionistes et donc euh, S'ils si veulent punir tout le monde pour notre anti-sionisme, il va falloir m'expliquer comment ils vont punir les juifs. Hein, euh, je vous rappelle que l'anti-sionisme équivaut à de l'anti-racisme et que euh, le sionisme, c'est de l'antisémitisme. Hein, c'est pas comme eux, ils essayent de, de détourner hein, la, 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 le sens. Hein. D'ailleurs, parce qu'ils ont peur. La franc-maçonnerie commence à avoir peur, parce qu'elle sait que euh, lorsqu'on va, euh, va rester sur lanti eh bien on va, on va s'occuper des francs-maçons, hein, parce que le sionisme, c'est les francs-maçons. Euh, nous n'avons aucun problème ni avec les juifs, ni avec les musulmans, ni avec les catholiques, ni avec les, 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 les bouddhistes ou... Euh, Quiconque d'autre, nous avons un problème avec les francs-maçons et la franc-maçonnerie qui nous divisent, qui essaient tout le temps de nous mettre les uns contre les autres, qui fabriquent des fake news, qui fabriquent des vidéos pour un peu nous envoyer, nous balader dans tous les sens et pour qu'on ne regarde pas le problème de face, c'est-à-dire que ces gens-là, ils complotent depuis des siècles. C'est eux, la soi-disant le, le, le siècle des Lumières et, tout, et toutes ces conneries, ils ont contaminé tout le monde, ils ont réussi à, à infiltrer on va dire la, 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 la monarchie au travers de leur de leur de leur de leur manipulation soi-disant des lumières euh, par c'est la haute société hein, c'est la haute société les amis euh, donc qui était euh, dans la franc-maçonnerie pour justement jouer et manipuler le peuple et donc euh, ils ont mis euh, ces, 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 ces inversions de valeurs, ces fausses bonnes idées euh, dans la tête de beaucoup de monde, y compris de euh, Marie-Antoinette. Et donc vous comprenez la suite après. Hein. Vous comprenez la suite. Ils ont réussi à euh, couper euh, la tête du roi et à installer donc leurs fausses valeurs. Et lorsque vous avez euh, les bases. Vous avez, lorsque vous avez des bases qui sont qui sont bancales, hein, les bases qui sont bancales, ça veut dire en, en, tout euh, le complot antifamille, l'inversion des valeurs, eh bien rien ne peut fonctionner. Euh, il y a quelqu'un qui, qui avait dit euh, il y a très très longtemps euh, ce n'est pas. Euh, ce n'est pas faux euh, euh, il ne pense pas euh, faux sur ce qui est euh, juste il pense euh, juste justement mais sur ce qui est faux c'est-à-dire que le départ le départ est faux donc après euh, nous pouvons avoir un raisonnement logique et juste mais sauf que euh, notre raisonnement sera bon mais par contre on sera toujours dans l'erreur parce que le départ, les données de départ qu'on nous a mis dans la tête, le, le, le programme, les, les, les informations, l'histoire qu'on nous a appris, tout est faux. Donc, off. même si on est des, des brillants, euh, des brillantes personnes avec une brillante logique, etc., et avec, on va dire, un, un, un sens humain et, et, et de, bonne, on va dire, de, bonne, de bonne foi, une bonne conscience, et eh bien, de toute façon, on ne peut rien faire de bien à partir du moment où euh, on part on, dès le départ, on part avec, euh, on va dire, un, on part dans l'erreur. Hein. On, on nous a inculqué des informations fausses, tout simplement. Voilà, mes chers amis. Donc, je tiens kippa, et donc, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à demain. Descendez dans les rues, si vous avez la possibilité, c'est important, mettez du jeûne, mettez un gilet jaune et n'ayez pas peur, hein, vous avez le droit, le nombre fait la force, nous avons le nombre. Filmez, filmez à fond, je diffuserai vos vidéos. Filmez, descendez demain, soyez fiers, si vous pouvez, hein, parce que là, ça demande un, un degré supérieur de... de on va dire de sacrifice hein, de personnel et de, on va dire, les de courage. Si vous avez la possibilité, faites une pancarte ou vous écrivez. S'il faut écrire un mot, vous écrivez « Franc-maçonnerie dégage » ou des choses comme ça. Voilà. Si vous, si vous le pouvez, si vous êtes dans un, un groupe où vous où vous sentez rassuré, eh bien, vous prenez un bout de carton, vous écrivez « Franc-maçonnerie dégage ». Hein, ça sera clair et net. Et si possible, quelqu'un vous filme comme ça sur Facebook, ça sera royal. Allez mes chers amis, bonne nuit